Et maintenant, la parole aux Portugais qui vont nous parler de la liberté d'expression à travers l'art engagé, la liberté littéraire. Bonjour, je m'appelle Beatrice. Moi, je m'appelle Rita. Notre travail porte sur la liberté de la presse. Nous avons travaillé avec des élèves d'art. Et nous avons utilisé des masques qui expriment le manque de liberté. Finalement, nous avons la carte sur la liberté de la presse dans le monde pour souligner la situation au Portugal. Nous sommes contre. Tous les gens devraient avoir le droit à la liberté de penser, de s'exprimer et de voir le monde. La couleur noire de ce masque symbolise le manque de liberté. Elle se prolonge par la tige de l'oignet, symbolisant le jugement du peuple pour saisir la liberté. La tige de l'oignet traverse le masque. Le front symbolise la liberté de penser. L'œil symbolise la liberté d'interpréter et la bouche symbolise la liberté de s'exprimer. Il faut lutter. Il n'y aura pas de mort qui empêche les personnes de s'exprimer. Ce masque symbolise le manque de liberté d'expression en montrant les mains sur une bouche qui l'empêche de parler. Ces deux masques expriment le manque de liberté d'expression. Les plus symbolisent la tentative de changement de la pensée et le fil dans la bouche et une forme d'oppression. On ne peut pas apprivoiser la liberté d'expression. Dans ces masques, il est possible de visualiser l'oppression à travers les harmonies de ma bouche. La liberté d'expression n'est pas synonyme de condamnation. Les couleurs montrent la liberté de la presse dans le monde. Le vert fonce représentait une situation bonne, tandis que le rouge représentait une situation très grave. Au Portugal. Comment on peut vérifier la situation de la liberté de la presse au Portugal est satisfaisante? Au Portugal, on peut encore parler librement et dénoncer les injustices sans être censuré ou condamné. On doit laisser l'expressivité et les pensées des gens s'évoluer. Journaliste en danger par Alpha Bourbon. Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie de plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie de plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière le rio. La liberté y a laissé des plumes. Journaliste incarcéré,
journaliste assassiné, les voix des sans-voix, tués. Tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident. Le même rituel semblant, autant on emporte le vent. Le sang appelle le sang. Certains chefs d'État se prennent pour des rois. Des rois tous plus royalistes que le roi. Ils ont la boulimie du pouvoir. Et ça, il faut le savoir. Et ça, il vaut mieux savoir. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Au clair de la lune, mon ami Zongo. Ma liberté de penser, par Florent Pagny. Quitte à te prendre, prenez mes gosses et la télé. Mon procès à dos, mon revolver. La voiture, c'est ça déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez mes femmes, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon découverte. Je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut se venger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Je peux vider mes poches sur la table. Ça fait longtemps qu'elles sont trouées. Baissez mon froc. J'en suis capable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Quitte à te prendre et te solder. Pour que vos petites affaires s'arrangent. Je prends juste mon pyjama rayé. Je vous fais le cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder. Je ne porterai rien à l'enfer. Quitte à te prendre. J'ai préféré y aller si le paradis vous est offert. Je peux vider, vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut se ranger, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser, ma liberté de penser.